Prière du matin quotidienne, mon ange gardien bénit cette journée. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Je vous souhaite une très bonne, sainte et lumineuse journée dans la bénédiction du Seigneur avec la Vierge Marie et en compagnie de votre ange gardien. Je vous propose de confier ce jour, dans cette prière du matin, une prière matinale quotidienne, simple. Et je vous invite les amis à déposer vos intentions de prière en commentaire pour bien commencer votre journée en la confiant au Seigneur avec toutes les activités, les projets, les rencontres de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Ange gardien, douce lumière que Dieu me donne pour me guider sur les chemins de la vie éternelle, conduis-moi aujourd'hui, éclaire-moi de la lumière divine pour avancer avec joie et détermination sur les chemins de Dieu. Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi, toi, toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi et je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant. J'aimais choisir et voir mon sentier, mais maintenant, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Si longuement ta puissance m'a béni, sûrement elle saura encore me conduire, toujours plus avant, par la lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée. Conduis-moi, douce lumière, conduis-moi toujours plus avant. Amen. Ange de Dieu, mon gardien, accueille en ce matin ma prière. Je m'en remets à toi, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi,
maintenant et toujours. Ange de Dieu qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Ange de Dieu qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Ange de Dieu qui êtes mon gardien, à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, protégez-moi, guidez-moi, maintenant et toujours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mon Seigneur et Sauveur, dans cette prière du matin, je viens te confier ma journée d'un cœur humble et joyeux. Merci pour la nuit écoulée, Seigneur. Merci pour mon sommeil. Merci pour les forces neuves que tu me donnes pour commencer cette nouvelle journée avec enthousiasme, avec énergie et motivation. Merci pour ta grâce et ta bénédiction. Merci pour ton esprit créateur qui est venu me recréer, me vivifier. Je me tourne vers toi, saint ange gardien, à qui Dieu m'a confié pour te demander ta présence, ta protection, ta bénédiction à chaque pas de cette journée. Tu connais mes fragilités et tu sais combien j'ai besoin de ton aide amicale pour avancer sur le chemin de la vie. Je te confie les membres de ma famille, mes proches, mes amis, tous ceux que j'aime. Je te demande d'aller visiter leur ange gardien et le saluer par une joyeuse bénédiction. Je te demande d'aller bénir également tous les anges des priants de la grande famille avec Marie. Saint ange de Dieu, je te confie en cette journée tous mes biens spirituels, spécialement le don de la grâce déposé dans mon cœur par le baptême. Fais que je conserve cette grâce de Dieu si précieuse, en évitant à tout prix tout péché mortel aujourd'hui. Garde-moi aussi de blesser le Seigneur par le péché véniel, quel qu'il soit. Protège-moi de tout mal. Je te confie aussi mes biens matériels, mon travail, ma maison, mes finances, que tout ce que je possède serve à la gloire de Dieu et au bien de ma famille et éclaire mon cœur pour partager avec joie à ceux qui en ont besoin ce qui ne m'est pas nécessaire. Garde mon cœur aujourd'hui, ange gardien, dans la charité divine, cet amour qui se donne à tous ceux que je vais rencontrer et en premier lieu au Seigneur, par le sourire de mon âme à chaque instant de la journée. Amen. Garde mon cœur aujourd'hui, ange gardien, dans une espérance solide, sûre que grâce à ta conduite, les promesses de Dieu sur ma vie, promesses de joie et de sainteté, se réaliseront. Amen. Garde mon cœur aujourd'hui, ange gardien, dans une foi ardente, pour vivre à chaque instant dans la lumière de Dieu, vivre de sa présence, de son amour et le rayonner autour de moi. Amen. Enfin, saint ange gardien, je te confie l'Église. Fais grandir dans mon cœur l'amour de l'Église. Donne-moi de prier pour les prêtres aujourd'hui, d'offrir des petits sacrifices pour eux. Donne-moi aussi de vivre des sacrements et, si c'est possible aujourd'hui, de participer à la Sainte Eucharistie pour recevoir en mon cœur le Dieu vivant et vrai, source de toute paix. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous propose en ce matin cette belle prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à notre ange gardien. Ange gardien, je vous salue. Je vous crois présent en ce lieu. Ne souffrez pas qu'à votre vue, j'ose jamais offenser Dieu. Je vous honore et vous révère comme un prince du paradis en qui je trouve un tendre père et le plus grand de mes amis. Par vous, j'ai reçu tant de grâces, tant de bienfaits, tant de faveurs, que mon cœur pour vous, plein de glace, devrait se fondre en vos ferveurs. Jour et nuit, vous veillez sans cesse à garder mon âme et mon corps. Quand la tentation me presse, vous redoublez vos efforts. De combien d'accidents funestes ne m'avez-vous pas préservé? Et sans tant de faveurs célestes, ne serais-je pas réprouvé? Assistez-moi de vos prières, éclairez-moi dans tous mes pas, soulagez-moi dans mes misères, soutenez-moi dans mes combats. Je vais par Jésus à son Père, je vais par Marie à Jésus, mais après Jésus et sa mère, c'est vous qui m'assistez le plus. Que vous rendrai-je, ô mon bon ange, pour tant de soins et de bienfaits? Que Dieu supplée à ma louange et vous glorifie à jamais. Tenez-moi toujours compagnie dans l'exil où je suis banni, afin qu'un jour, dans l'autre vie, je vous sois à jamais uni. Ainsi soit-il. Voici le beau psaume 137-138, psaume de louange du matin, avec ce beau verset « Je te chante en présence des anges ». Oui Seigneur, nous te chantons, nous te bénissons et nous t'adorons en présence des anges. Sois loué, Seigneur, pour nos anges qui chantent avec nous la joie de cette nouvelle journée. Amen. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur! Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint ange gardien, alors que le cantique de Zacharie chante avec force la lumière de Dieu qui vient nous visiter, je te demande que cette lumière divine inonde ma journée par ta puissante intercession. Amen. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant,
Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Michel, avec mon ange gardien et tous les anges, je vous confie toutes les âmes de ce monde en cette journée. Je prie pour la conversion des pécheurs aujourd'hui, la délivrance des âmes du purgatoire aujourd'hui et la protection de l'Église toute cette journée. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer, par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, Reine des anges, sois la gardienne de ma journée, cette journée que je te consacre avec joie, pour que tu me conduises à chaque pas soutenu par la présence des anges. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, au début de cette journée, je te confie toutes les intentions qui habitent mon cœur, toutes les personnes que je vais rencontrer, au travail, dans mes loisirs, dans mes activités, ou tout simplement les personnes de ma famille avec qui je vis au quotidien. Je te confie les rendez-vous de ce jour, je te confie toutes mes actions pour qu'elles portent un fruit de paix et de joie. Je te remets aussi toutes mes paroles et mes pensées. Par l'intermédiaire des anges, Vierge Marie, je te confie aussi le monde, mon pays, tous les enjeux de société, pour que le plan d'amour de Dieu se réalise par la grâce de la prière. Je vous invite, les amis, à confier en commentaire dans cette dizaine toutes les intentions de prière que nous portons pour aujourd'hui. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Mon Saint Ange gardien, veille sur moi, garde-moi, protège-moi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du matin avec notre Saint-Ange gardien, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis pour cette prière du matin, pour commencer cette journée dans la bénédiction de la présence des anges gardiens. Je vous invite à revenir sur cette prière quotidiennement, si vous voulez, pour lancer votre journée avec les anges. Pour moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.